Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Alors nouvelle plus ou moins puisqu'en fait cette distribution, la Maculu Linux est sortie en décembre 2017. Là je vous la présente en février 2018, donc euh, quelques mois après sa sortie avec euh, quelques mises à jour. Désolé pour la voix si euh, je suis dans les bas dans les graves, mais euh, j'ai un petit souci de gorge. Bon, c'est d'actualité, nous sommes au mois de février, il fait froid, on est en plein cœur de l'hiver. Euh, donc la Maculu Linux, qu'est-ce que c'est eh C'est un système en fait. Euh, qui, qui est basé euh, bah, sur, sur Linux, bien sûr, et qui euh, se nomme Windows pour cette version. Alors, euh, pourquoi Windows Tout simplement pour faire référence, euh, un gros clin d'œil à la ferme de Redmond, hein, à, à Windows, pour les personnes qui souhaiteraient migrer éventuellement euh, de l'OS euh, propriétaire, donc Windows, vers une distribution Linux. Alors, de quoi est composée cette Maculou Linux Alors, on apprend ici sur leur site, je vais peut-être faire un grossissement. Euh, ce sera peut-être plus simple pour lire en fait les, les données. Donc on est sur une architecture 64 bits, on est sur une base euh, Cinnamon 3.2, on a un kernel 4.13 plus euh, bien sûr euh, les, les ajustements, hein, les, 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 les corrections de bugs. Son nom de code, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Windows. Euh, donc euh, la première édition et c'était en 2016. J'en avais parlé d'ailleurs en 2016, il me semble, sur le, le blog. Et là donc on est sur bah, 2018. Voilà la final build qui vient de sortir et qui aura un support jusqu'en 2021. Donc si vous installez ce système, eh bien vous serez tranquille, on va dire entre guillemets, avec euh, une distribution qui sera maintenue au niveau de ces paquets jusqu'en 2021. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a en fait euh, ben, sur cette distribution Apparemment, on a euh, euh, la possibilité de changer les fonds d'écran super automatiquement, donc ça c'est euh, vraiment primordial. Même si on sait que les gens changent les fonds d'écran rapidement lorsqu'ils lorsqu 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 changent de système, mais je trouve que c'est un petit peu euh, euh, enfin, c'est pas forcément euh, quelque chose de, de primordial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Beautiful Desktop Environment, donc on est vraiment sur un système basé sur l'esthétique. Le, euh, un menu unique que l'on ne trouve, alors ils sont quand même assez hallucinants. Un unique menu found on no other distro in the world. Euh, Qu'on pourrait traduire mot à mot par euh, un menu unique que nous ne pourrions pas retrouver sur aucune distribution dans le monde. Euh, donc, euh, 8, 7 d'icônes, Bon. D'accord, pourquoi pas? 11 contrôles de thèmes, 11 possibilités de changer de curseur, euh, 41 magnifiques fonds d'écran. Sauf que les fonds d'écran, ben, si on veut, on peut les, les récupérer euh, via ses propres photos ou sur le web. Bon, ok. Most unique combination of themes and wallpapers you will find anywhere. Ok, la plus. Ouais, une combinaison unique de thèmes et de fonds d'écran que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc, cette Makulu Linux Windows, en fait, euh, elle a quand même les chevilles qui enflent un petit peu. Hein Donc, euh, on va voir un petit peu de, de quoi il en retourne. Allez, on va fermer le, le navigateur et puis on va lancer la Makulu Linux Windows version 14. C'est parti. On va voir un peu ce qu'elle a dans les entrailles. Donc, on va pas attendre que le Grub veuille passer le compte à rebours. On va lancer tout de suite le système. Alors on est quand même sur un système donc euh, qui fournit un kernel qui n'est pas tout tout jeune, mais surtout euh, avec énormément de, de prétentions au niveau esthétique et graphique. Alors moi je veux bien qu'un système soit très joli, bon euh, ça me dérange pas, hein, je, suis, je suis vraiment euh, pour ce genre de, de choses, mais encore faut-il qu'il soit quand même euh, on va dire euh, euh, pratique, qu'il soit stable, qu'il soit euh, commode à utiliser tous les jours. Pour les utilisateurs débutants surtout, puisque quand on s'appelle Windows, qu'on a la prétention justement de de singer Microsoft, eh bien, on doit quand même avoir un système qui tienne la route, qui soit pas forcément extrêmement léger léger, mais un système qui soit, on va dire, utilisable. Alors oui, d'accord, je suis en rendu logiciel, c'est logique, je suis sur une machine virtuelle. Euh, donc voilà, voilà ce que vous aurez si vous choisissez d'utiliser la Macoulou Linux euh, Windows numéro 14. Donc on se retrouve effectivement sur un bureau qui ressemble. Oula, les fonds d'écran sont déjà en train de changer, <laughs> donc je ne vais oh. rien demander à personne. Stop, euh, temps mort. Euh, alors, si vous choisissez d'installer de, de, ce système, sachez qu'au niveau des fonds d'écran, quand on fait un clic droit, comme sur la plupart des systèmes, on peut modifier l'apparence du bureau. Donc on a accès ici au, à différents fonds d'écran ici, voilà. Euh, on va se prendre un fond d'écran de saison peut-être avec euh, un fond d'écran un peu plus euh, hivernal, voilà. Ouais, Celui ce, avec la, la lune est assez, euh, assez sympa pour l'instant, puis on verra par la suite. Euh, après, vous pouvez avec un clic droit ici, ou non un clic gauche en fait. C'est un clic gauche. Vous avez la possibilité de choisir le Wallpaper Selector, ce qu'ils appellent le Wallpaper Selector, qui en fait démarre euh, bah, tout simplement euh, une liste de choix ici. On peut modifier ses fonds d'écran. Attention, on... la Saint-Valentin est passée. <laughs> Je vous laisse euh, à vos commentaires par rapport à ce magnifique, magnifique fond d'écran euh, rose en forme de cœur. C'est fou aimé. C'est très très spécial. Voilà, donc, euh, donc quand même on va revenir sur quelque chose un peu plus... Euh, <laughs> un peu plus sympa. Euh, je reviens sur celui-ci. Donc vous voyez que ça, ça envoie quand même du lourd au niveau des, des wallpapers. Donc c'est vrai qu'il y en a 41 comme ça. On a le temps de, de faire le tour. Voilà. Et puis après, je pense que c'est... Alors après, on doit modifier ici. Voilà. Variety Images. Quand tu veux. Alors vous que c'est... Ça rame un petit peu, hein. donc j'ai mis, euh, mis un, un processeur Dual Core, j'ai mis 2 Go de RAM, mais c'est quand même assez, euh, assez long à la détente, hein, cette Windows. Euh, bah, tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite essayer, de, essayer, je dis bien, de démarrer un terminal. D'accord. Euh, on va voir combien elle consomme de ressources en mémoire vive. Et vous voyez qu'au démarrage, sans aucun logiciel démarré, à part le change, changement de, de wallpaper, on est déjà à 945 mégas de mémoire vive consommée sur 2 gigas, ce qui représente, ben on va dire, quasiment 45%, 50% de mémoire vive, alors que je n'ai pas encore démarré de, de logiciel, super. Euh, C'est quand même assez gourmand comme système. Ben, en fait, quand vous prenez du cinnamon et puis que vous rajoutez des effets, etc. Alors, je n'ai pas mis tous les effets. Hein. Je vous ai épargné les différents effets de la distribution, mais on peut en rajouter en fait, c'est assez roboratif, on peut rajouter pas mal d'effets comme ça. Euh, donc, euh... alors vous voyez qu'à chaque fond d'écran en plus, on a une petite morale. Donc, euh, Scott Fitzgerald, "Sometimes it is harder to deprive oneself of a pain than a pleasure." Donc euh, voilà, donc si euh, ça vous plaît, vous pourrez. Euh... Vous aurez la morale du jour comme ça qui s'affiche après avec chaque, chaque fond d'écran. Alors attention, c'est parti pour le menu parce qu'il nous annonçait en fait un menu, vous savez, le, le menu que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors attention les yeux, on va lancer le menu. Voilà. Grand menu un petit peu à la Windows 7. Windows, Windows Vista en fait. On est plus sur un menu à la Windows Vista avec les différentes catégories qui, qui sont ici. On n'oublie pas bien sûr la partie donations. En troisième position, quand même, <laughs> histoire de soutenir le projet. Pourquoi pas hein Information système. C'est parti. Alors, donc, on est sur un noyau Linux 4.14. Bon, il n'est pas si ancien que ça. On est sur du cinnamon 3.2.7. Euh, bon, après, comme je vous disais, j'ai pris 20 Go de mémoire, enfin 20 Go de place sur le disque dur. Euh, et puis, euh, donc, 2 Go de mémoire vive. Oui, ok. Donc, on va revenir dans le menu. On va voir un petit peu les différents logiciels qui sont proposés. Alors, euh, donc, comme sous le Linux, hein, euh, la plupart du temps on a les différentes catégories qui sont proposées. Donc son vidéo, bureautique, etc. Alors en bureautique, en fait, ils ont choisi la suite euh, WPS. Donc euh, version 2000, euh, 2016. Ce n'est pas forcément un mauvais choix, hein, mais bon, ça change de, de LibreOffice. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme logiciel Alors Bleachit, oui, alors l'excellent Bleachit sous Linux, le genre de truc qui sert à rien, qui peut foutre en l'air un système en fait, euh, l'équivalent d'un Cleaner sous Windows. Mais bon, euh, ce jeu... alors en plus Bleachit has root, parfait. Le truc, le mec, le débutant qui arrive là-dessus, qui Bleachit, il va nettoyer son système. <laughs> 25% de chance, 30% de chance que le système soit, soit plombé par la suite, mais bon, c'est pas grave. Archive manager, donc un grand pas. Euh, ensuite, ça c'est pour les, les accessoires. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de, de logiciels qui sont proposés. Alors VLC, on va voir dans quelle version il est. Je suis pas sûr qu'il soit dans sa version euh, version 3. Non, moi, moins ce qu'il était mis à jour. J'ai fait une mise à jour tout à l'heure, mais je n'ai pas vérifié. Oula, d'accord. Alors, alors eux, ils sont, ils sont extrêmement forts. Donc, ils nous sortent une version de VLC 4.0, donc Auto Shriek. Alors VLC 4.0. Alors là, ça mérite quand même. Alors, on va quand même regarder. Je vais laisser VLC. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va aller voir sur Internet ce qu'on a comme navigateur. Donc, on est sur du Chrome. Dans le pire des cas, ils auraient pu prendre Chromium. Hein. C'est vrai que. Définir Chrome par défaut, non merci, envoyer des. non d'accord. Je voudrais juste vérifier en fait cette version de, de VLC 4.0 parce qu'on est à peine à la version 3 sous Arch Linux donc je vois pas comment cette Windows peut nous sortir une version 4, c'est hallucinant quoi. VLC 4.0 Donc c'est bien sûr un Nightly Build, évidemment. Euh... Alors, je n'ai pas lu l'article de Next Impact, donc on va voir. Hein. V... Donc VLC se prépare à lancer la version finale de VLC 3. Donc ça, c'était pour 2018. Et Quid de VLC 4 Alors, vers VLC 4, évidemment... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire VLC4 release date. Je suis sûr qu'ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont sortir leur version, ce qui est plus ou moins logique. Euh, mais on est bien sur une lightly build donc. Euh... Donc elle n'est même pas ici référencée au niveau des archives, puisque vous voyez que le 9 février 2018, on est sur la version 3, euh, donc qui est la version stable. Donc il nous fout en fait une version 4.0 de, de VLC. Bon, pourquoi pas? Euh, donc une version en développement en fait. Bon, c'était la surprise du chef en fait. Super. D'accord. Euh, ben, bon courage avec ça s'il y a des bugs euh, donc au niveau des, du graphisme donc, on a Document Viewer oui d'accord MyPaint euh, donc on n'a pas on a Pinta on a Simple Scan bon, on n'a pas Gimp ça change, change un petit peu sur les vidéos donc on a vu hein, Record My Desktop pour enregistrer le bureau VLC ça c'était la grosse surprise Control pulse audio pas de souci on a Winet hein, pour euh, tout ce qui est compatibilité euh, euh, Windows euh, Linux c'est plutôt pas mal les préférences, donc euh, choix du clavier. Alors là on retrouve en fait les préférences de Cinnamon. Pour les gens qui connaissent Cinnamon, vous allez retrouver absolument toutes les, tous les réflexes qui correspondent au bureau propre à Linux Mint. Euh... Alors ce que je voulais vous montrer, alors on a le Software Updater, mais on va aller faire un tour au niveau des... Alors on va commencer par le poste de travail. Alors là vous allez reconnaître tout de suite du Windows Vista pour Windows Vista ou Windows euh, Windows 7. Vous voyez que ça rame énormément. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Hein. Donc si vous avez un corps de duo euh, avec 2Go de RAM, moi je préfère plutôt euh, <laughs> que vous installiez éventuellement ce système sur, euh, sur un quad core euh, Vous voyez que le système en fait lui... Voilà, il prend 5,3 gigas de, de place. Et là on reconnaît vraiment vraiment les dossiers de. C'est vraiment le thème de, de, de Vista, hein. on, on est en plein dedans là. On a vraiment l'impression d'être sur le l'OS de, de Microsoft. Et là on a les dossiers personnels que j'avais agrandis pour le besoin de la vidéo, mais bon, c'est vraiment du copier-coller avec du Vista. Voilà. Euh, on va aller se diriger maintenant pour la suite sur euh, la boutique en fait, de logiciels. Euh, tac, tac, tac. Donc, qui est plutôt pas mal faite, puisqu'en fait elle est francisée. Donc euh, ça c'est assez rare pour le souligner, même si beaucoup de distributions maintenant le font. On retrouve encore des systèmes qui ont des, euh, des boutiques de logiciels qui ne sont pas complètement francisées. Alors c'est avec les gens qui connaissent ben, se basent sur le, le nom du logiciel. Mais là, bon, c'est plutôt. Euh plutôt pas mal en fait on a différentes formes de tri je pense que c'est le tri par euh, d'accord les mieux notés bon le, le système de tri n'est pas complet quand même hein. j'aurais préféré un système de tri par euh, date de sortie euh, euh, mieux noté c'est bien mais aussi par, euh, par ordre alphabétique on peut faire une recherche dans le masque de saisie aussi pourquoi pas ah, j'ai vu qu'on avait euh, le logiciel free cad la version libre d'autocad euh, sous Linux. Euh, je voulais vous montrer aussi, alors les thèmes, pas encore vu les thèmes, on a vu les fonds d'écran, mais au niveau des thèmes, c'est... Euh, voilà, Donc on est vraiment sur du Windows 7 Blue, avec Windows vista Nikon, comme je disais. Euh, le bureau, pareil. Donc après, vous avez la possibilité de modifier tout ça. Euh, on peut se faire un petit passage sous Windows 10, comme ça instantanément. Voilà, pour ceux qui aiment le noir, c'est plutôt pas mal aussi assez reposant, comme je le disais, hein, au niveau de, de la vue. Hop, on peut faire un retour en arrière euh, dans les années 2000 avec du... Il y a... Oh, on dirait il y a même le logo d'XP qui est caché derrière, c'est assez impressionnant. Voilà, donc on est sur du... du XP, ok. puis euh... Après on a plusieurs Windows 8. Après, il n'y a pas tellement de changements, hein. ça reste quand même au niveau de l'agencement, c'est plus ou moins la même chose. Oula, Windows 7 Pink, je n'ose même pas le mettre. Windows 7 Glass Blue, ok. Windows 3.1, tiens, pour rigoler. Windows 3.1, d'accord. Oui, pourquoi pas On va rester sur, ce, sur celui-ci. Souvenir, souvenir. Les icônes, on a du Vista, de Unity, donc là on, on revient sur du, du Linux. Et puis on a du XP aussi au niveau des icônes. Windows 10. Windows XP, oui, voilà, les icônes avec Windows 3. quelque chose. <laughs> ça mérite quand même ah ouais, qu'on qu qu aille voir dans le poste de travail. Pour se replonger, regardez-moi ces superbes icônes. <laughs> on est revenu. Ouais, on est revenu 20 ans en arrière, même, même beaucoup plus. Euh, bon. Trêve de, de retour vers le passé. Euh, je voulais vérifier en fait au niveau des. Alors, des... Alors on a des... Le gestionnaire de paquets synaptiques. Ça c'est plutôt cool en fait. Pour les gens qui euh, veulent rajouter des, des logiciels. Et, donc c'est plutôt sympa. On a les sources de logiciels. Alors, euh, on va mettre le mot de passe qui va bien. Et puis on va aller euh, vérifier un petit peu. Alors vous voyez que je n'ai pas fait en fait le passage sur les, les dépôts européens. Enfin, à part hormis le drapeau euh, Union Jack de euh, nos amis de Grande-Bretagne, mais euh, on va vérifier au niveau des PPA, le nombre de PPA qui sont ajoutés. Alors, c'est parti, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 PPA qui sont rajoutés. Ok. Et les dépôts additionnels, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tiens, ils ont rajouté le dépôt de Solid XK Ok. 5, 6, Estime, bien sûr. Ok. Bon, on a quand même pas mal de PPA. Hein. Vous avez vu que c'est assez. Euh, assez roboratif hein, comme distribution. Bon, elle, elle ne bat pas une autre distribution que j'avais testée il, il y a quelques années en arrière, qui avait, je crois, plus de 40 PPA. C'était assez hallucinant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore dans le gestionnaire des pilotes, hein, par rapport à votre carte graphique AMD ou NVIDIA euh, On a fait le tour au niveau des logiciels, euh, mais je crois qu'on euh, voilà, voilà. qu avait fait le tour de la distribution. Voilà, donc euh, la Makulu 14... Euh, bah, Linux Windows Windows, pardon, l'absus. Euh, donc bah, écoutez, si, euh, si elle peut vous satisfaire... Ah, parce qu'on pourrait faire c'est... Oh, allez, on va terminer par les différents fonds d'écran que l'on n'a pas vus. Les superbes fonds d'écran, puisque c'était le cœur de la... de la publicité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme magnifique fond d'écran ici Est-ce qu'on peut les agrandir Non. Oh, un fond d'écran Skyrim. Pour les gamers. D'accord. Ok. Ah tiens, on n'a pas de, de morale ou de petite phrase du jour sur tous les fonds d'écran. Bon. Ok, bon bah, je vous laisse euh, terminer la visite par vous-même. Hein, si vous souhaitez télécharger l'ISO, vous allez sur le site de la Maculou Linux. Euh, là, euh, donation, donation. <laughs> C'était important, ça clignote. Euh, non, ça fait toujours rire en fait quand... Enfin, euh, je pense que les, les dons... Les dons au niveau du logiciel libre, c'est bien, mais je pense que c'est bien aussi de le faire de façon un peu plus discrète. Même si euh, je pense que les développeurs ont passé beaucoup de temps pour euh, sur le système, c'est vrai que la critique est l'art est difficile. La critique est aisée ou la critique est aisée, l'art est, est difficile. Mais c'est vrai que le le fait d'afficher comme ça l'icône de donation en pot sur le l'écran d'accueil, bon, ça me semble un peu, un peu beaucoup, quoi. voilà, donc on va, euh, alors, c'est pas une distribution de téléphonie, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais on va, on va se quitter là-dessus, hein, sur ce magnifique Gaslight from England, avec les dépôts anglais, comme vous avez pu le voir, donc on va revenir sur le bureau, et puis, euh, bah écoutez, je vous dis euh, à bientôt pour le test d'une prochaine distribution, voilà, je ne sais pas, euh, sans doute une distribution qui sera peut-être euh, euh, un peu plus, on va dire... Euh, euh, comment dire, un peu plus légère peut-être, un peu, un peu moins roborative, euh, probablement la Linux Lite 3.8. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, et puis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution Linux. À très bientôt, au revoir.